Bien qu'on puisse en savoir beaucoup sur un artefact en utilisant nos cinq sens pour l'apprivoiser, en étudiant les archives, la culture matérielle ou l'histoire orale, il reste toujours des choses à découvrir. Certaines facettes de l'objet résident dans notre imagination, notre mémoire culturelle ou collective. L'histoire d'un artefact peut être ancrée dans la façon dont elle a été transmise, mais aussi dans les failles qui se forment entre une personne et l'objet. La porte incarne plus de 100 ans d'histoire minière multigénérationnelle dans la ceinture aurifère de l'Abitibi. Fabriquée dans les premières années minières, vers 1910-1915, la porte est une page d'histoire en soi. On y voit les marques de ses fabricants. Par exemple, le métal a probablement été travaillé par des forgerons locaux. Et les marques de son utilisation, comme un enfoncement qui révèle les coups de pied qu'elle a probablement reçus dans des moments d'urgence. La porte est arrivée à Ingenium en 2018. Il était passé minuit et il faisait moins 39 degrés lorsque j'ai atterri à Timmins le 5 février 2018. Mais je me réjouissais d'être là. La Goldcorp m'avait donné la permission de visiter la mine Dome le tout dernier jour avant sa fermeture, après 108 ans d'exploitation continue. J'étais là pour sélectionner des artefacts miniers pour la collection nationale. Quelques mineurs qui voulaient parcourir les galeries une dernière fois sont venus me voir. Nous avons marché lentement sous terre. Ils m'ont raconté des histoires pendant que j'étiquetais des artefacts. Et là, un d'eux s'est souvenu de la porte. Elle était à l'étage, dans un entrepôt, et quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est l'artefact dont rêvent tous les conservateurs. Cet objet raconte, de façon métaphorique, l'histoire du 20e siècle, telle que l'ont vécu les mineurs de Timmins, en Ontario. Une fois entre nos mains à Ingenium, nos conservateurs ont voulu tout savoir sur cette porte et sur les inscriptions qui la recouvrent. Nous avons apporté l'artefact à l'Institut canadien de conservation pour le scanner. La fluorescence infrarouge et ultraviolette a révélé plus d'inscriptions que ce qu'on voyait à l'œil nu. La plus ancienne date de 1910. Bien que nous ayons pu utiliser la technologie pour en savoir plus sur la porte de la mine, nous voulions en savoir davantage sur les gens qui ont fait ces inscriptions. Nous avons essayé d'imaginer qui ils étaient et comment était leur vie à la mine. Lorsqu'Anna m'a parlé de la porte de la mine Dome et de ses nombreuses inscriptions, j'ai pensé que c'était une merveilleuse occasion d'explorer la façon dont les objets racontent des histoires avec mon groupe d'études supérieures sur la narrativité et la représentation en histoire publique. Chaque étudiant s'est vu attribuer une inscription au hasard et a été chargé de faire des recherches pour découvrir l'histoire de son auteur. Ils ont ensuite écrit des scénarios et les ont joués. L'idée était non seulement d'animer les inscriptions, mais aussi d'imaginer le contexte dans lequel chacune a abouti sur la porte. Faire de l'histoire de cette façon permet d'explorer comment capturer quelque chose d'authentique sur le passé en l'absence de faits concrets, comme les entrevues avec les mineurs qui ont écrit ces mots sur la porte. De telles stratégies axées sur la représentation encouragent les historiens à réfléchir aux liens entre l'exactitude et l'authenticité, entre les expériences vécues et les histoires racontées, entre l'histoire et la mémoire. Bien que les histoires soient fictives, elles sont fondées sur la recherche et sur l'objet lui-même. En se fondant sur quelque chose qui s'est réellement passé, les étudiants ont créé ce qu'on peut appeler des réalités fictionnalisées entourant l'objet, qui peuvent nous apprendre comment était la vie et le travail à la mine. L'évocation de ces contextes et du monde dans les monologues des étudiants candidats à la maîtrise en histoire publique nous donne un aperçu intéressant que l'analyse de la culture matérielle ne pourrait pas transmettre à elle seule, même si nous ne comprenons toujours pas pourquoi et comment quelque chose en venait à mériter d'être inscrit sur la porte. Dans le premier récit, Emma Gillies explore l'état d'esprit d'un mineur qui s'est senti contraint d'inscrire d'importants événements mondiaux sur la porte de la mine. Bill m'a demandé pourquoi j'ai décidé d'inscrire des grands événements sur la porte de la mine. « Qui va voir ça ici, de toute façon? » a-t-il dit. « Je sais pas, mais ce matin, j'ai remarqué pour la première fois depuis longtemps qu'en 1963, j'ai griffonné la date de l'assassinat de Kennedy. Je me souviens pas de ce qui m'a poussé à le faire, mais comme l'a dit Bill, qui allait voir ça? » Mais après, j'ai pensé, avec ce qui s'est passé hier, j'aurais peut-être continué. J'arrive toujours pas à croire que quelqu'un a tiré sur Martin Luther King. Je comprends pas lui qui était si pacifique. Et je comprends ce qu'il essayait de faire, je pense. Il voulait simplement aider des éboueurs pour qu'ils soient mieux payés. Ma femme dit qu'il faut les appeler des employés de l'assainissement. C'est mieux, dit-elle. Et je lui réponds qu'elle devrait alors m'appeler un orfèvre.
En tout cas, je comprends ça, vouloir un bon salaire en échange d'un bon travail. Quoi qu'il en soit, c'est drôle. J'ai écrit ces trucs sur Luther King en franchissant les portes, mais en finissant ma journée ce jour-là, je me suis dit que je devrais peut-être ajouter quelque chose au sujet de la retraite de Lester B. Pearson. Il avait dit qu'il allait quitter en décembre, mais hier était le début du Congrès des libéraux et tout est devenu officiel. Lester B. Pearson, un type plutôt bien, je pense. Et je me suis dit qu'on se souviendrait de son départ. De toute façon, quoi qu'il arrive, tant que la mine continue de nous donner de l'or, nous allons être OK ici. Mais les moments consignés sur la porte n'ont pas tous été d'importance mondiale, comme le démontre le scénario de Kate Jordan. Vous connaissez cette histoire? Non? Ça en est une bonne. Bien, Oscar, il était venu ici en 73. Il devait venir de Toronto ou quelque chose comme ça. Il restait chez sa tante, je pense, mais il n'était pas trop content de ça. Vous savez, ces familles danoises, ben, sont vraiment, vraiment familles. C'est trop pour lui, alors il est venu ici. Puis, ouais, ben, c'est toujours un peu dur quand on commence, hein. Beaucoup d'espace ici, beaucoup de temps pour réfléchir. Alors, Oscar était seul maintenant, puis il a trouvé que la famille, ben, c'est pas si mal après tout, surtout pour les repas. Et Oscar s'ennuyait vraiment de ses repas. Les saucisses lui manquaient particulièrement. Je sais pas comment on les appelle maintenant, mais ils sont danoises et, tu sais, on avait des saucisses chez Daly's. En tout cas, il avait vraiment envie de ces saucisses. Il est allé à la charcuterie pour demander s'il y en avait. La dame au comptoir avait pas la moindre idée de ce qu'il voulait dire. Alors, elle est rentrée chez elle, l'a dit à son mari et à d'autres, et évidemment, les gens se sont mis à parler. Tout le monde a fini par savoir qu'Oscar s'attendait à ce que Daly's soit comme une épicerie fine de Toronto. Les gars se sont mis à le taquiner à ce sujet, et ils ont pas lâché prise. Et un gars, peu importe qui, a fini par l'appeler Oscar Mayer, comme les saucisses. Par chance pour lui, ça lui a donné une idée. Il a fini par découvrir comment faire lui-même ses saucisses. Oscar apportait ses saucisses au travail. Il voulait les partager. On ne servait pas de la bonne bouffe à la mine, pas comme aujourd'hui. Fallait aimer le ballonné. C'était trop pour Oscar, vous savez, il s'en plaignait tout le temps, il arrêtait pas. Il a même menacé de faire la grève si on lui servait encore du ballonné, au diable syndicat. Au bout du compte, il est jamais allé en grève. Bon Dieu, les gars ont tellement ri. Parfois, les inscriptions sur la porte rapprochent la politique mondiale d'échelle macro et micro et le quotidien à la mine, comme l'illustre le monologue de Nick Lucky. Bon, du début, là, on avait passé à peu près quoi, je pense, 4 à 6 heures de surtemps dans le Maine avec mon maître Mario. Puis là, comme d'habitude, on se disait jamais grand-chose entre nous deux pour la plupart du chiffre. Mais là, au break, la plupart, on montait jusqu'à la surface, respirer l'air frais, parler un petit peu, prendre une petite puff. Ça prenait plus de temps de monter, c'est sûr. Mais moi, mon père m'a toujours dit qu'il regrettait d'avoir pas allé plus souvent. Quoique c'était plus bien dur de sortir du dôme dans son temps, mais ses poumons l'héritent toujours. Mais là, le chiffre basse nous laissait avoir une petite radio dans le coin des fumeurs pour les nouvelles, parce que le journal et le droit nous arrivait rarement en temps, en 68. Hey, tu penses-tu que faire sauter des bombes aux boîtes à mal, ça va sauver ta patrie? Que tuer un ministre noir, ça va gagner la paix amicale? Il me semble pour qu'il y ait des droits civils, il faut être civil, non? C'est dommage... quand on se prend à la violence pour s'exprimer. Comme Kennedy disait de King, il faut remplacer la violence avec l'effort de comprendre avec compassion et amour. C'est pourquoi on avait tellement à croire que quelqu'un aurait tiré sur RFK. Puis là, même après qu'on l'avait tiré dessus, ses premiers mots, c'était encore de s'inquiéter des autres autour de lui. Tout un bonhomme, ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire son nom sur des portes, à côté de celui d'MLK. Pour se rappeler de leurs mots et de leurs leçons, ouais, je dirais que 68, c'était une année de folie, parce que même ici, au Porcupine, on ressentait leur perte. Dans notre dernier monologue, Max Cronkite raconte comment le changement peut être à la fois technologique et politique. Bon sang, saviez-vous qu'Earl et Pearson ont été congédiés aujourd'hui? Je l'ai appris ce matin. Ça en fait plus que 30 en à peu près un mois. L'étalon d'or est en baisse, puis les mines de Timmins, ils vont pas bien. Alors vous savez ce que le siège social a décidé de faire? Tout informatisé! Ils ont fait venir des nouvelles machines qui enregistrent le nombre d'heures de travail. Fini les cartes perforées, le son, le chunk, ça va me manquer.
Ben, c'est ridicule. Quand je pense à ça, je me demande, puis quoi d'autre ensuite? Est-ce qu'ils vont remplacer la boîte à fusibles avec les verrous par un ordinateur? Qu'est-ce qui se passera si le système calcule mal le nombre d'hommes et qu'il autorise une explosion alors qu'on est encore dans la mine? Qui sait? Peut-être que toutes les mineurs sont des machines dans 10 ans. Oh mon Dieu, ce Chunk, il va me manquer. Et j'ai hâte de l'entendre à tous les jours, vous comprenez? Tous les matins, tous les soirs. Je sais, j'exagère probablement, mais si je peux pas voir ma carte, utiliser ma carte, entendre mon Chunk, c'est comme si je perdais le contrôle. Bon Dieu, tout se passe par les ordinateurs. Je suppose que le monde change, mais Dieu seul sait si ça va être meilleur. Ces quatre représentations donnent vie aux inscriptions sur la porte de la mine Dôme, évoquant des contextes ancrés, quoique imaginés, pour traduire l'émotion qui sous-tend les mots gravés. Ces décennies d'inscriptions nous apparaissent aujourd'hui comme un palimpseste, des couches de texte par-dessus d'autres couches de texte, ou comme une chronique médiévale moderne où tous les événements, de la première neige de l'année à un assassinat politique, semblent avoir le même poids. Cette façon de consigner les incidents du quotidien remet en question les notions conventionnelles de l'écriture et de notre compréhension de l'histoire, qui privilégie soit les grands événements, soit la vie de tous les jours, mais rarement les deux à la fois.